amateurs de tennis. Alors, on est très fiers, très choyeux au Québec d'avoir des joueurs qui percent sur le circuit ATP. Et on s'est dit qu'à tout seigneur, tout honneur, il fallait initier, comme il se devait, Alexis Galarno. Vous le reconnaissez, je suis en compagnie d'Alexis Galarno. Et là, qui dit spécial, tu as fait ton entrée à la Coupe Davis il y a quelques années déjà. Il y a eu une petite initiation, mais c'était à Rotterdam. C'était pas chez toi, c'était pas à Montréal, c'était pas au Québec, c'était pas devant tes fans. On t'avait fait courir sur un court à ce moment-là. Raconte-nous ça. Ouais, je m'en rappelle vaguement. C'était des sabots néo-irlandais. Je me sentais pas trop à l'aise, mais là, je pense que t'as des bottes qui vont me plaire. Là. Et là, je vais déjà placer notre magnifique drapeau fleur-de-lysée québécois ici. Alors, c'est peut-être une première. On court en bottes d'hiver ici. Drapeau du Québec. Et là, c'est Alexis Galarno. Alexis, ça va bien? Ça va bien. On fait du bruit pour Alexis Galarno. Ça va, les bottes? Ouais, ça va, ça rapporte des bons souvenirs, ça va. C'est un petit peu chaud, mais moi, j'ai pas les bottes, au moins. Ouais, les bottes, ils sont confort, au moins. Et je t'invite à venir ici, lui toucher. Ouais, très beau trophée. Et là, c'est le moment. Alexis? Merci beaucoup. Vive le Québec. Vive le Québec. Alors, c'était votre correspondant, Gabriel Trottier-Hardy, en compagnie d'Alexis Galarno. On fait du bruit pour notre Québécois, Alexis Galarno.